Salut tout le monde, c'est Aliotchut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera le deuxième épisode de la série d'Achat-Vente Road to Madrid Toti. Donc dès maintenant, je vous annonce du lourd dans cette vidéo. On va faire pas mal de techniques d'achat-vente, notamment une nouvelle technique appelée Tech Upgrade. Donc pour ça les gars, lâchez-moi un gros like en bas de la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et c'est vrai que les likes, ça nous motive pour faire plus de vidéos et continuer notre parcours sur YouTube. Donc on va tout de suite commencer l'épisode avec de la Tech MC, avec du Higuain, acheter 5900 crédits, avec le style œil de lynx sans poste de milieu central. Donc c'est pas la version upgrade, mais Higuain se vend tout de même en poste de MC très bien grâce à cette technique MC. D'ailleurs les gars, si vous voulez un récapitulatif de toutes les techniques d'achat-vente, je vous invite à aller voir ma vidéo les 11 techniques d'achat-vente sur FIFA 16. Donc je pense que ça va vous aider pour prendre les techniques d'achat-revente sur ce FUT 16. La vidéo va normalement s'afficher en haut de l'écran, donc je vous invite à aller voir ça. Là vous avez du Dembélé, du Martial, du Baba, du Salah, du Bonucci. Donc ces joueurs-là, je les ai achetés pour faire la tech FUT millionnaire. Donc la tech FUT millionnaire, vous savez déjà ce que c'est. Donc voilà, ça s'applique à tous les joueurs qui coûtent entre 2000 et 5000 crédits. Donc vous les achetez avec un style plutôt intéressant par rapport à leur poste. Et je voulais lister 700 voire 800 crédits de plus. Et ça se vend bien sûr très rapidement. Vous avez ensuite Diekmeyer qui se vend aussi très bien pour cette technique. Et j'ai acheté un petit Mounir en style de chasseur que j'ai listé à 3100, sachant que je l'ai acheté à 2900 crédits. Donc c'est plutôt pas mal. Là vous avez une nouvelle technique les gars, il s'agit de la tech upgrade. La tech upgrade c'est quoi? Donc c'est le même principe que la tech fut millionnaire, sauf que quand vous listez les joueurs, vous les listez 1500 crédits de plus. Donc voilà, vous achetez un joueur par exemple Mahrez, vous l'achetez à je sais pas moi 4500 crédits avec un style et pas mal de contrats. Et là vous, au lieu de le lister 1000 crédits, vous allez lister 2000 crédits de plus et il va se vendre aussi rapidement que la tech fut millionnaire avec les joueurs normaux. Là j'ai tenté les gars de la tech avion avec les joueurs upgrade. Les joueurs upgrade, donc vous avez Handanovic et Smalling que j'ai acheté et auquel j'ai appliqué 99 de contrat et 99 de forme plus un style que j'avais dans mon club. Donc ça marche très bien. Mais je préfère franchement faire la tech upgrade simple, c'est-à-dire tech fut millionnaire. Donc c'est déjà la fin de cet épisode les gars. Vous voyez que tous les joueurs se sont vendus pratiquement à part le Smalling en tech avion. Donc il va se vendre je pense dans les prochaines heures quand je mets cette vidéo. Parce que voilà, il se vend très rapidement le Smalling. Normalement il n'y aura pas de souci. Là vous voyez que tous les joueurs se sont vendus soit en tech avion, soit en tech MC, soit en tech upgrade. Tous les joueurs se sont vendus sauf Smalling comme je l'ai dit. Donc en résumé les gars, la tech upgrade, elle marche pour les joueurs upgrade, c'est logique. Et surtout, les joueurs à privilégier sont Mahrez, Smalling, Handanovic et Payet. Voilà, ces 4 joueurs, les gars, ce sont ceux qui marchent le mieux. Et je vous invite à faire l'achat-vente avec ces joueurs-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Aliotchut. Prenez soin de vous. Laissez un like. N'oubliez pas ça, c'est très important. Bye tout le monde.